Eh bien, salut à tous les amis, c'est Rems Live. Donc, aujourd'hui, c'est une petite vidéo, un tuto comment faire un mojito fait maison. Donc, suivez-moi, on va tout bêtement, je vais vous montrer, j'ai tout préparé déjà, les ingrédients pour faire le mojito. Tiens, bah, mets-toi de côté au pire. Voilà, donc, alors, comme vous voyez, là, j'ai pris un fond de rhum qui nous reste à la maison. Le petit badois, donc la marque, je ne vais pas la désigner, donc vous voyez bien, le sucre de canne, des petites feuilles de menthe qui sentent très bon, le citron, déjà prédécoupé, deux verres forcément, parce que moi je suis deux, je ne suis pas tout seul, et le petit pressoir, moi j'appelle ça un pressoir. Voilà, donc bah, allez, on va commencer. Donc je vais tout bêtement commencer à mettre les feuilles déjà. Hop. Tac. Je vais y aller doucement dans mes gestes pour que vous ayez le temps de voir. Hop. Ensuite, je mets la petite vodka, le petit rhum, pardon. On n'en met pas trop. Mais pour ce qui reste, je crois qu'on va finir. Voilà, hop, c'est fini. On essuie sur le t-shirt. Il partira au sale. Un petit peu de sucre de canne. Voilà. On va mettre la badoie. Pas trop de badoie pour pas trop noyer non plus. Voilà. Vous arrêtez juste en dessous des lettres, comme vous voyez. Moi, j'ai fait la dose en fait. Je connais la force. Donc. Voilà, donc si vous entendez des petits bruits derrière, c'est normal, c'est mes lapins. Donc vous pouvez presser au début les citrons. Voilà, pour en donner le maximum. Le jus de citron. Normalement, c'est du citron vert qu'on met. Mais le citron vert qui me reste, il n'est pas grandiose, il est tout dur. Donc, puis ils n'étaient pas terribles. Voilà. Et à la fin, on va macérer, on va appuyer. Voilà. Comme ça, on écrase un peu aussi les feuilles de menthe. Pas trop, hein. Pas trop longtemps. Ça sert à rien. Pas besoin. Voilà. Voilà. Donc, c'est fait. Donc, messieurs, dames, attends. Hop. Voilà. À contre-jour. Donc voilà, messieurs, dames, le petit mojito est prêt et bonne dégustation à vous et à demain avec de nouvelles aventures, les amis, avec Rems Live. Au manège, ciao!